Ah mais ça... Oh putain! Sans quoi il est même sur le menu! Ce jeu est tellement bien fait! Présente ce jeu magnifique! Bonjour à toutes et bonjour à personne en fait. Toujours à toutes, hein. Il y a un mec, mais non, bon, il n'y a que le père apparemment. Parce que personne ne doit regarder cette vidéo, ce jeu de la merde. Si. Alors qu'est-ce que ce jeu? Alors ce jeu se nomme Ma Ville de Rêve. Et elle est là. Parce que, et on peut déjà constater, le menu donne, te vend du rêve. Bah vraiment. Oh bah oui. Rien que ce menu est magnifique. On peut voir bien sûr la magnifique famille. Pas du tout artificiel. On peut voir que la mère, par exemple, elle est sous Prozac. On peut voir que la petite fille a totalement un strabisme. La mère, elle est sous Prozac. Ah oui, totalement. D'ailleurs, je me questionne même si c'est vraiment la mère ou si c'est pas la plus grande sœur, parce que des fois, elle est tellement jeune que voilà. Le père, on a l'impression qu'il a tué quelqu'un. Ah oui, le père, totalement, il a tué quelqu'un. Mais surtout que, je suis désolé, mais ça, c'est sa femme, mais elle est ultra jeune pour moi, je trouve. Non, puis aussi, il y a aussi un truc. Alors, vous savez, je suis quelqu'un de très naturel, très nature. J'ai la main verte, j'ai la main green. Oui. Alors, regarde le gazon. Oui. Le gazon est super vert. Ah oui, non, mais le gazon, il est super vert. Il a été fait avec hydromousse. La maison. Il est totalement fait avec un hydromousse. Regarde la maison. Oui. La maison est dans l'ombre un peu. Oui. Alors que son jardin est éclairé, mais comme jamais. Ah oui, le jardin est éclairé comme jamais, mais par contre, la maison est un peu... Ouais, bien sûr. Exactement. Mais ça, t'as un coup de main d'un côté. C'est comme l'ombre du mec, hein, regarde, il est totalement naturel. Ah, mais totalement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'ils avaient le soleil un peu en dessus, devant le mec. C'est bizarre, c'est pour ça qu'à mon avis, ils sont éduqués. En ça tout cas, voit. Ah non, mais je te dis déjà, le gazon, c'est sûr, c'est de l'hydromousse, hein, clairement. Ah, mais le gazon, c'est l'hydromousse. La technologie américaine, tu vois qu'elle marche, hein. Ah, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quoi l'hydromousse? Regardez, lorsqu'on arrose cette toile de jute avec aquagrasse, les semences se fixent immédiatement. Le gazon pousse en quelques jours, même à la verticale. L'hydromousse, c'est une escroquerie américaine. Ouais. Oh, votre mission... ils le verront vite, hein, t'inquiète pas. Vos maisons. Ah là, enfin, bon bref, quel est l'objectif du jeu, mon très cher? Alors là, c'est... Alors du coup, l'objectif du jeu, c'est du coup, tu as ce tableau. J'ai le tutoriel, tableau. Vu que c'est la première fois. Voilà, bah de toute façon, il va t'apprendre. Il va m'apprendre à construire. Dans ce cas-là, je clique sur construction. J'embauche mon premier ouvrier à 10 000 euros. Putain de branleur, ouais. J'avoue. C'est quoi cette musique? La 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 la. Non mais t'imagines, les gars, non mais t'imagines, tu sors de Pôle emploi, t'as ça comme musique. Mais mec, mais c'est la musique parfaite. Mais mec, mais la musique, elle fait mal aux oreilles, il est horrible. En plus, elle est grésillante, c'est horrible. A-t-on un concurrent à Bubsy? Ah putain, tellement. Ah, la musique, elle est horrible. Ah non, c'est horrible. D'ailleurs, c'est moi qui joue aussi, quelqu'un se pose la question. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... nous sommes sur une version d'essai d'une heure. Et comme on est deux, du coup, on a une version d'essai de deux heures. La première heure, j'y jouais. J'y jouais sans filmer. Du coup, on a un peu appris un peu le but du jeu, les premiers bugs. D'ailleurs, on remarquera que regarde-moi ce cercle qui te dit que t'as sélectionné cette maison. Le cercle radioactif, quoi. Ah, mais là, mais complètement, t'es à Fukushima, là. Ah, mais clairement. Là, t'es à Fukushima, il y a un mec qui a pété. T'as ta grand-mère, elle a pété. Après avoir mangé un kebab. Les habitants, ils te disent ne clique pas sur ma maison, je ne veux pas de radioactivité dans mon jardin. Mais déjà, je comprends pas un truc. Encore un dans la vraie vie. Ah, bordel. Quoi peut... Ah, bah oui. Ah, bah attends. Si je retourne au menu, on est d'accord, ça quitte le truc. Ah, bah oui, quand même, oui. Je peux même pas régler le son en pleine game, quoi. C'est horrible, je ne peux même pas gérer le son en jeu et ce son est trop fort, il est horrible. Ah, mais non, je suis sûr que t'abuses. Non mais mec, c'est horrible. Souffre en douleur. Oh merde. C'est une musique tellement innocente mais en même temps tellement douloureuse.
Douloureuse. Oui, douloureuse, j'arrive plus à parler. Douloureuse, c'est... ça me rappelle un mec qui demande son déodorant à ses fans. Oui, mais on dira pas de nom dans cette vidéo, tout de même. Oui, alors s'il faut ça, on dénonce parfait, personne. Parfait, vous êtes un génie de la construction. Waouh, t'as construit une pharmacie, t'es un génie. Et oui, et maintenant il faut que je finisse d'améliorer pour faire un jardin. Ah bah oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vraie vie, enfin chef, au courant, mais en fait, il faut que ta maison soit level 5 pour avoir un jardin. Oui, c'est-à-dire que ta maison, tant qu'elle est pas finie, t'as pas le droit au jardin. C'est l'acte du jardin. Ah oui, oui. Allez. Hein, le phare aussi, on en parle aussi. Du phare ah oui, en le phare en 2D, là, oui, c'est JPEG x 1000. Oh mon dieu, cette femme. Regarde, regarde, il y a Virginie, elle est heureuse. Oui, c'est, tu arrives. Oui. Ah mais c'est mon argent, mais ça sert à quoi de me donner de l'argent? J'ai fini ta mission. Non, parce que tu comprends, c'est que c'est de la merde. Oh, je suis dans le menu parfait. Option, vite. Oh bordel, tout le monde me remerciera pour ce geste. Oh mon dieu, ce jeu, mais ce jeu. Allez, level 2. Parce que oh, tutoriel, c'est bien sympa, mais et donc voilà. L'objectif de ce jeu, donc, c'est Virginie, de faire des voilà, missions. 5 maisons, mais sachant qu'on n'a plus qu'une à construire, enfin... Voilà, reste une, lumières, jardin, quoi. On reste deux, donc ça veut dire qu'il faut que... Il leur faut... Le magasin, c'est ça Ouais, en fait, faut que tu construises d'abord le magasin et après que tu construis la pharmacie. Ah, il me faut 3 ouvriers. Donc, parce que tout ouvriers. Le monde sait qu'on construit une pharmacie qu'avec 3 ouvriers. Oui, totalement. C'est des ouvriers portugais en fait. Non, par contre, là, le mec qui a fait cette musique, il était sourd de base. Mais c'est génial en fait, elle rentre tellement dans la tête. Oh mon dieu. Achète ce terrain. Achète ce terrain. Les améliorations, ça coûte beaucoup. Ah non, que dalle. Mais oui, achète le terrain. Je négocie moi. Oh zut. Et bah voilà, t'as défoncé la vente, bravo. Merde. Bravo Captain Obvious, bravo. Parce vraiment. Que oui, dans ce jeu, négocier, c'est égal à se faire éjecter. Genre, tu ne peux ah plus oui. acheter. Ah oui, c'est fini. Enfin, c'est là, fini jusqu'à ce que ça réapparaisse, hein, je vous rassure. Ah oui, parce que là, je l'aurais tué. Sachant que du coup, c'est une période d'essai d'une heure, on a cru pas la tourner. Hein. Voilà, je tiens à le préciser, pour ça qu'on... Oh, bah bon, mais c'est ah putain, telle maison, t'as plus d'électricité. Mince, vite, il faut que je la répare. Je rappelle, t'as le grippin. Je rappelle, ce jeu est un city builder. Mais je moi, dois réparer les mecs. Maisons des gens. Mais mec, t'as jamais eu ça dans SimCity? Bah, étrangement, non. Bah, moi, c'est putain, vois, c'est... Pour moi, city builder, tu vois, c'est je construis une ville. Je m'occupe pas de 4 maisons comme ça, avec leurs problèmes d'intérieur. Oui. Jamy, tu vas me dire que City Builder, tu construis ta ville. Mais oui, Jamy. Non, moi je pensais que c'était un FPS. Ah bah non, Jamy, ça ne fonctionne pas comme ça ici. Ah, moi je pensais que tu lançais les parfums à la Call of Duty. N'empêche, je vois bien un mix sur mon Call of Duty ici. Vraiment, on peut pas acheter sans négocier. Genre là, ouais. Ça fait 3 fois que j'essaye, je crois que je vais arrêter. Hein. Non, par contre, le mec qui a fait cette musique, putain, mais qu'il aille se faire encastrer chez un moine. Je vais la laisser au montage, hein. Jamais je baisserai le son, je veux que les gens entendent cette magnifique musique. Oh mon dieu. Ah ouais, c'est horrible, hein. Ah, la commotion cérébrale, elle arrive. Ah, putain. Oh là là, c'est magnifique. Bon, bah en vrai, là, maintenant, il me reste plus qu'à... Ouais, qui a acheté ça, là, maison. Et puis... Allez, j'en puis globalement, voilà... D'ailleurs, tu remarques, c'était marqué 30 000, alors qu'en achetant, c'est marqué 29 000. Oui, mais c'est parce que... Tu sais, c'est la conversion dollar-euro. Mais on voilà. est en euros. Oui, c'est la conversion euro et euro. Ah, putain. Attention. Oh, mon Elle dieu est... La tempête arrive. Mon dieu. Pas trop tard. Billy, sors de la douche. Ah mais ça... Mais putain. Ça va finir même sur le menu. Ce jeu est tellement bien fait. Alors j'avais plusieurs choses à dire sur ce bruit. Déjà pour moi c'est pas un bruit d'orage, c'est un bruit de quelqu'un qui a la gastro. Il avait une putain de gastro, je suis désolé.
Oh putain! Oh putain, ce jeu c'est... Ah, c'est le parti politique de Emmanuel Macron! Oh! D'ailleurs, je tiens à dire aussi que là, par exemple, sur cette partie, il y a certaines maisons qui nous appartiennent pas encore. Elle m'appartient, l'usine ne m'appartient pas, et cette maison ne m'appartient pas. Il faudra que je les achète plus tard. Pourquoi 29 000? Là, 28 000, je comprendrai jamais. Et c'est pas à comprendre. Mais... il le faut pourtant. Mais c'est pas à te comprendre, je te dis. Ah, bordel, j'ai plus de matériaux. Ce jeu a violé la logique. Ah, mais d'ailleurs, j'avais plusieurs choses à dire sur le bruit qu'on a entendu récemment. Ouais. Comme je l'ai dit, c'est de la gastro, mec. C'est pas un bruit de pluie. Ah, mais oui. Ah, mais oui, c'est le mec, tu sais, il se retient depuis 200 ans. Ah, il t'a pas lâché un bruit. Rien que ça, oui. Il se retient depuis 200 ans, mais rien que ça, oui. Et le juif, là, tu vas arrêter de proposer des prix au plus bas, là? Mais si je peux, je suis content. Je veux aussi montrer que ce jeu, mec. Ce jeu, il est impossible de négocier. Mais oui, t'as pas remarqué, les bases. Mais j'essaye, moi, tu vois, je tente. Non, par contre, aussi, alors du coup, on a trouvé plein de défauts. J'ai trouvé plein de défauts. Alors déjà, c'est un jeu, je crois, sorti dans les années 2010, enfin, dans ces eaux-là, à mon avis. Ton City Builder, oui. T'as qu'un tableau. C'est de la merde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les City Builder, SimCity, même les vieux SimCity, c'est City XL, City Skyline, City Giant, enfin tous les jeux City Builder, globalement tu peux construire partout. Oui. Là, tu peux pas construire partout. Tu peux construire que sur déjà les. Voilà, les trucs de chantier un peu. C'est impossible de négocier. Arrête de faire ton juif. Mais il le faut! Arrête de faire ton juif. Il le faut, bordel! Les prix sont... merde. C'est quoi ce bruit quand tu peux pas s'en décoder? C'est non, tu ne peux pas. Ah non, mais sans déconner. Par contre, tu vois, ils ont quand même mis des ombres. Oui, ça c'est étonnant. Pour un jeu comme ça, je m'attendais pas. Ouais. Bon, par contre, c'est pas les ombres dynamiques, hein. Ah, mais c'est des ombres quand même. Ça reste des ombres, oui, évidemment. Qu'est-ce que je fais, mon juif? Non! Trop tard. Arrête de faire ton juif, putain. Alors on n'a rien contre les juifs, hein. Voilà, je tiens à le préciser, hein. Mais c'est juste que voilà, vous négociez très très. Oh putain, une tornade! Oh mon dieu, mais le son il est fort quand même. Billy, sort de la douche! C'est une tornade! Non, c'est un trou noir! C'est mon trou du cul! Le trou du cul, non! Non! L'eau! Au secours, non! Billy s'est pris Annie par toute la rue parce qu'un trou noir est passé devant son village. Alors, ce que vous avez vu là, c'est bien une tempête très petite qui coupe l'eau des maisons. Ah non mais mec, je vois tellement l'image, c'est sûr, t'as une tempête et t'as un loup qui passe par les fenêtres, qui t'emporte tout sur son passage. Comment est-ce qu'une tempête, un ouragan, tout ce que tu veux, déjà ressemble à un trou noir? Déjà, il faut se le dire, ça ressemble à un trou noir. Et surtout, pourquoi coupe-t-il que l'eau des maisons? Parce qu'il est... Sans déconner... Non, t'as vendu une maison! Quoi, sérieux? Je crois que t'as vendu une maison, mec. Mais non, je l'ai améliorée. Non, mais la maison, la duo, là. Je crois que tu l'as vendu. Celle-là, non, ouais. Là, regarde, je peux encore vendre. C'est juste que d'accord. Je joue rapidement et que... Ah, mais j'ai plus de thunes. Ah ouais, t'as plus de thunes, mec, t'es un pauvre aussi, putain. Par contre, tu vois, ayons une pensée à Billy, perdu dans cette tornade. Ah mais oui, là, Billy, sous la douche, il s'est fait emporter par le vent, hein, clairement. Il a absorbé l'eau et Billy avec, hein. Est-ce que vous voyez la scène dans Pirates des Caraïbes 2 avec le Kraken? Vous savez, avec le Kraken qui prend les mecs... qui les bouffe. Et ben c'est pareil mais avec une tornade et t'as l'eau en fait. Et t'as Billy qui se fait bouffer. Ah merde, je vais faire des maisons en briques. Putain. Franchement, oh mec, franchement. Du parpaing et de la brique, quelle est la différence? David Goudenov.
Merde, moi je construis des maisons chères, mais en fait ça sert à rien. Oh franchement, une en brique ou une en parpaing. Qu'est-ce que ça... La différence, c'est quoi? Oh putain, je me suis attention, t'as une maison qui n'a plus d'électricité. Oui, vite, la réparer. Putain, mais la thune, ça rentre pas par contre. Hein. Je crois que je me suis fait enculer. Ce jeu est quand même très... Ce jeu est quand même très nul. Hein. Ce jeu est quand même très navrant, hein, comme vous pouvez le constater. On se fait un peu chier, il faut le reconnaître. C'est un jeu que je qualifie de Dragon Slayer du City Interactive. Enfin, du City Builder plutôt. Putain, mec, je suis resté sur City Interactive de tout à l'heure. Mais non, ce jeu aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a pas mal de trucs qui ne vont pas. Déjà, le premier truc, c'est que bon, déjà, on va parler des par les graphismes. Ils sont moches. Ils sont inexistants. C'est-à-dire que là, on a des... Alors déjà, graphiquement, on dirait un jeu Android. Le HUD, on dirait un HUD d'un jeu Android. Sans déconner. Les touches, c'est pour moi les touches vert, machin. Ah, oh, putain. Protéger. On peut les protéger. Vite, mettez les parapluies aux maisons, vite. Donnez-leur des parapluies contre la chiasse ambulant venant de ce nuage. Oh putain, j'ai la... Putain, j'ai jacqué. Mais n'empêche, est-ce que vous avez déjà vu dans la vraie vie un seul nuage qui balance des grillons comme ça Non, j'ai oublié de la protéger, lui aussi. Vite, non, mets ton parapluie, toi. Tu perds ton dos, non. Je perds mon dos. Saleté de tempête. Et nous vole notre travail. Saleté de grêlon, à cause de lui j'ai plus d'eau. Bah ouais, parce qu'il a avalé l'eau. Tout le monde le sait que les grêlons avalent l'eau. Mais même le HUD, regarde en bas là, tu sais le... Oui, le bah oui, jaune. Bah ça fait très Android, hein. HUD extrêmement Android. Après, bon, durée de vie. Bah le jeu il est long quand même, hein, mine de rien. Parce qu'il faut déjà réussir. C'est quoi, à ça finir les trois... Ouais. Putain, j'ai niqué le moustique. Mais dans la vraie vie? Ah oui, dans la vraie vie. Ah putain. Ah non, non, oh, là j'étais pas dans le jeu, là clairement j'étais dans la vraie vie, là j'ai vu un moustique, j'ai pété un câble. Madness de moustique. D'ailleurs, si j'arrive à le retrouver, t'avais un jeu où on contrôlait un moustique sur PS2. Sérieux? Monsieur Mosquito, il faudrait que j'arrive à le retrouver où en fait tu devais sucer des petites japonaises. Sérieux? Oui. Et genre il fallait que tu les suces au niveau de la poitrine, au niveau de la jambe. C'est très bizarre ce que je dis. Oui, extrêmement. Et en plus tu pouvais même allumer la chimie. C'est pour entre guillemets avoir une ambiance. Mais pourquoi y'a rien de cochon? Ah j'ai compris, y'a rien de cochon. Non mais. Alors. Ah parce qu'il faut que je construise ici. Bah oui, il faut que tu vires l'usine. Bah oui, mais j'ai pas de thune, j'ai même pas, je peux même pas faire mon gif. Est-ce que j'aurai le temps parce que c'est chronométré? Merde. Je pense pas. Je crois que je me suis je ne pense. Ça change pas tous les jours. Oh, oh. Ah non mais mec, mais ce jeu c'est la déprime. Ce jeu on est mené à parler de suceuse de japonaise. Et d'ailleurs au Japon ils ont même fait un deuxième monsieur. C'est impressionnant. C'est à dire qu'au Japon tu vas y marcher quand même. C'est quoi ce bruit? Ah mais c'est ça. Oui, plus d'usine. Bro. Ah là là, mais que du fun. Mais ce jeu, mais mec, mais ce jeu a violé le fun. Oh là là, s'il vous plaît, ce jeu est beaucoup trop fun. Il a autant d'action que le parti politique d'Emmanuel Macron. Tu as oh là là. Emmanuel Macron toi ce soir. Mais non, c'est très bien que c'est très bien que c'est mon poteau Emmanuel Macron. Je peux réussir. Putain, la moustique. C'était des cafards, je crois. Et là, je suis sûr que la croco, il était là en mode... Il est revenu. Non. Oh putain, une tornade. Billy. Vite.
protéger tout le monde. Billy, sors de la douche. Non mais ça c'est... pas naturel, ça c'est l'armée ça. Non mais regarde, c'est pas naturel, c'est l'armée qui l'a créé. C'est l'armée des États-Unis qui t'a créé ce trou noir là. Mon dieu, mais il revient en plus. Bah attends, eh oh, mec, je suis sûr qu'il est commandé par l'armée. Non, par l'armée américaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, annuler la vente, comment on fait? Ta gueule! Non! C'est ma maison! Non, je vais perdre parce que j'ai mis à vendre et j'ai pas vu que j'avais plus de matériaux. Non! Rip ta maison! Mais non! Rip! C'est à cause de la tempête! Attention, les enfants, hein! Et pourtant, c'est... ce jeu s'appelle quand même ma ville de rêve. Ah oui, alors regarde, alors vu. Alors va dans le mode diabolique, s'il te plaît. Oui. Regarde le niveau 29. Oui. C'est complètement l'invasion extraterrestre là. Ah là oui, on est complètement dans une invasion extraterrestre avec ses lueurs. Et c'est, par contre, tu vois, c'est ma ville de rêve, tu vois. C'est... Oui, c'est notre ville de rêve, hein. On va faire le 18 minutes histoire de. Voilà. Moi-même. Alors déjà, on commence avec une ville en feu, mais ça, il faut rien dire. Hein. Mais non, François. Maintenant, nous sommes des expérimentés de ce jeu. On arrive déjà. On ferme sa gueule à cette alarme horrible. Enfin, mais enfin, ce jeu, il est bien. Ce jeu, il est bien codé, enfin, Croco. Non. Pourquoi tu te plains? Mais si. Et pourquoi est-ce que les voitures brillent comme ça? C'est parce que t'es dans la neige. T'as jamais vu des voitures briller comme ça en... quand il neige et quand t'es dans la neige? Ah, jamais. Ben, c'est que t'es aveugle. Ah. Non, par contre, là, le JPEG est vraiment dégueulasse. Là, vraiment, ça fait mal à la tête, là, vraiment, l'image, là... Franchement, oh là là, vraiment... Pourtant, vous savez, règle numéro 1 des joueurs, on ne juge pas une personne par ses graphismes. Mince, ça va prendre feu ici. Ah, j'ai pas d'ouvrier disponible, désolé. C'est ridicule. Mais là, c'est quand même très très moche, quand même. Ah oui, mais c'est horrible. Voilà, alors ma ville de rêve, micro-application... Ah oui, parce que c'est micro-application, attention. On est sur un jeu de type micro-application. Alors, c'est sorti dans quelle année? Alors, j'ai pas l'année, malheureusement. C'est triste. Alors là, vraiment, je suis en rang, je suis triste. La chaise arrive. Mec, j'ai pas l'année, par contre, je suis dégoûté. Oh mon dieu! Ok, du nuage d'avant, bah celui-là, bon dieu, il est vert. Non, mais ça, c'est un mec qui a pété ça. Là, c'est Donald Trump. C'est horrible avec le bruit. Oh. Attention, un gros pet géant. Mais c'est ma ville de rêve. Mais c'est ma ville de rêve. Protéger ma ville de rêve. Le gros pet de Donald Trump. Ben, c'est la même année que Sniper. Ah merde, 2009. Ouais, 2009. 2009, ouais, là, c'est quand même violent. Quand même. Là, ça commence à faire un peu mal, là. Je vous rappelle que SimCity 4, par comparaison, est sorti en 2003, mais je sais plus vraiment quel mois précis. Mais je sais qu'il est sorti en 2003. Alors, SimCity 4. SimCity 4. Voilà, il est temps, il est même... Putain, SimCity 4, en vrai, toi, je disais, il est sorti en 2004. Bah oui, il date, hein, il, vraiment, il date. Mais non, il est sorti le 14 janvier 2003. C'est-à-dire qu'il est sorti vraiment en janvier 2003. C'est-à-dire qu'il aurait pu sortir en 2002. Ah oui. Tu vois, c'est un des premiers jeux 2003. Et mec, il n'y a pas, tu vois, je vois des images, là, de SimCity 4. Ah, mais c'est pas comparable, c'est vraiment pas comparable. Mec, c'est... Genre là, le jeu, il est ennuyant, j'améliore juste des maisons sur des casques. Mais c'est le jour et la nuit, là, c'est le jour et la nuit. Complètement. Est-ce que tu vois, moi, là, actuellement, en train que je m'amuse à améliorer des maisons? Ah, mais là, pas du tout. Mais mec, sincèrement, pour moi, vais faire un jardin au milieu de la neige, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah, c'est de la neige, en fait. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bon,
On verra ce que le jeu va nous pondre. Non mais Timon, non mais c'est surtout putain. Oh mec, c'est moins beau. C'est moins beau que SimCity 2 quand même. Tu disais que ça allait être que de la neige hein. Ouais. Bah non, c'est des plantes. Waouh. Regarde, surtout cette maison, c'est encore plus flagrant. Comment tu réussis à faire un putain de jardin où c'est bien délimité comme ça sur de la neige? Non mais ça c'est juste la et maison. Et là, ces pauvres fleurs ici, mais désolé, mais au milieu de la neige. Mais mec, mais non, mais c'est qu'en fait, c'est les mecs ils sont pas cassés le cul. Ils ont fait d'abord en terrain normal tempéré. Puis après, les mecs, ils nous ont enculés. Voilà, tu sais, c'est la logique. C'est la logique. 5 minutes later. C'est cool, il y a tout. Waouh. Et là, on me donne plein d'argent, mais ça ne sert à rien. Bravo, niveau terminé. Ça se voit que je suis fier d'avoir réussi ce niveau. En fait, j'ai l'impression plus on te donne de temps et en fait plus c'est facile. C'est-à-dire que le niveau diabolique, en vrai, pour 20 minutes, je suis sûr que t'as largement le temps en fait. Surtout quand tu vois la grandeur des maps qui se résument à 6 bâtiments maximum. Enfin, franchement. Pff. Oh, mais que ce jeu est barbant. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je te laisse le mot de la fin parce que là, je pense qu'on en a assez mangé. Quand il y a un trou noir, sortez de la douche. Sortez de la douche, et vite. Voilà. Ah d'ailleurs, est-ce que t'as remarqué qu'il neige dans le ma ville de rêve? Oui. Ah oui. Mais ça, tu sais, c'est parce que c'est buggy, on a fait un niveau avec de la neige juste avant. Ah, d'accord. Non mais en plus c'est vrai, je suis sûr c'est pour ça. D'accord. Bon, voilà. Ce jeu est bien fait, je vous le conseille. Ce jeu, il a été fait par énormément de personnes, regardez. Oh mais attendez! Ah mais c'est super! De quoi? Fun Game Studios. Quoi? De quoi c'est... Game Studio? De quoi? Fun Game Studio. S'il faut savoir, c'est que je possède un jeu en boîte de Fun Game Studios. Mais le fun est mort! Je me suis fait chier en 30 minutes. Mais que tout le monde connaît, c'est Président 2012. Ah oui. Tu te rappelles le fameux jeu... Oui. Mais Charlie, et ben c'est fait par la même boîte Fun Game Studios. Oh putain, ils portent mal leur nom. Hein. Du coup, peut-être qu'un jour, attendez-vous à du président 2012. Oh putain, ce que je me suis fait chier. Allez, bye bye tout le monde.